Ah, j'avais oublié de vous le dire. À Castres, l'on montre et l'on se montre la maison natale de Jean Jaurès. Ce grand tribun qui honora le Parlement français et tout compte fait la France. Comme on montre à Albi, le lycée où il enseigna. La classe où semble résonner encore sa voix généreuse. Et à Carmaux, les mines où se cristallisa son activité politique. Que vous présentez encore. M'entendez-vous? Ce qui fait tout ce tintamarre, c'est le Jacquemart de Lavaur. Paisible et calme cité pourtant. Le Jacquemart sonne toujours deux fois. Martèlement, bien sympathique aussi, ce sont les chaudronniers de Durfort qui chaudronnent, possesseurs d'un secret bien gardé. Leurs chaudrons, en effet, sont d'une seule pièce, sans rivets. Sorez se souvient d'avoir été une école royale militaire. Aujourd'hui encore, certaines coutumes, comme le port de l'uniforme, le salut aux couleurs, les défilés en musique, en perpétuent la mémoire. À Lacaune, la fontaine des Pissaires est un bronze romain qui rassemble quatre petits bonshommes d'une virilité exemplaire.